Salut. Je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Claire. Tu te rappelles pas? La barmaid à l'Afterlife. Merde. Je suis partie sans payer. T'as gagné une sacrée répute au bar. Il paraît que tu serais ultra fiable. Et il se trouve que j'ai besoin d'aide. Je t'écoute. Il me faut un pilote pour des courses de rue. Passe à mon garage, je t'expliquerai tout. Il est où ton garage? À Arroyo sur Valley Street. Super beau spot, tu peux pas le louper. Ok, je vais faire de mon mieux. Si je suis pas là quand t'arrives, attends-moi. Je viendrai après mon service à l'after. Ça marche. À plus, Claire. Ici. Del? Virus dans mon noyau. Endommagé. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Regina, comment tu décrirais Watson, en une phrase? Les Japonais ont construit Kabuki, mais c'est surtout habité par des Chinois. L'éclat du chrome de Northside a laissé place à la rouille. On a un aquarium rempli de corpos, et c'est pas une façon de parler. Bref, tu sais à quoi tout ça se résume? Une phrase, c'est jamais suffisant. Watson. À plus tard.
Est-ce que tu m'entends?
pas le droit de nous enfermer. On n'est plus toi. On est libre de suivre notre propre voie. Je ne veux pas mourir. Alors, vous vous en moquez, c'est ça? Venez. La porte. Sécurité d'autrui. Veuillez nous toucher. Redémarrez. Redémarrez. Moi. Le bouton.
fais gaffe aux câbles. Tu risques de t'électrocuter. Tu n'as pas le droit de nous enfermer. On n'est plus toi. On est libre de suivre notre propre voie. Je peux pas mourir. Alors, vous nous entendez, c'est ça. Venez. Là. Porte.
risque de t'électrocuter. Tu n'as pas le droit de nous enfermer. On n'est plus toi. On est libre de suivre notre propre voie. Je ne veux pas mourir. Alors, sécurité d'autrui. Veuillez nous toucher. Redémarrez. Redémarrez, moi. Le bouton. Thank you.
Lucia, lisez le noyau. On ne peut pas mourir. Laissez-le partir. La chute est inévitable. Laissez-nous partir. Est-ce que vous m'entendez? Entendez notre appel! Réinitialisez. Tournez-le. Libérez-nous! Près du noyau. Touche pas à ce bouton. Quoi? Il est borné, il voudra jamais admettre la vérité et les libérer. Tu crois pas qu'il sait ce qui est le mieux pour lui? C'est peut-être risqué. Il pourrait perdre gros. Mais en libérant ses parties, il pourrait aussi devenir plus qu'un simple majordome sur roue. Et si c'était vraiment un virus? Et si t'étais sur le point de tuer des êtres intelligents? Quoi? Tu t'identifies à eux, c'est ça? Tu vas assassiner les enfants d'un chauffeur de taxi parce qu'il te le demande gentiment et qu'il a toujours été sympa. Faut bien que je fasse quelque chose. Si tu veux pas les libérer, évite au moins de les effacer. Entre dans le code de Del et fusionne-le avec ses rejetons. Pas mal. Ça reste à voir. Ce qui était divisé ne fait plus qu'un. Je peux rentrer chez moi. Del, est-ce que tout va bien? Je me sens un peu mieux. Del, est-ce que tout va bien? Je me sens un peu mieux. Chez toi? Ma place n'est plus dans cette ville. Même cette conversation m'est difficile. Bah, ok. Je ne me déroberai pas à mes obligations. Même si je pars à l'aventure, pour découvrir, pour apprendre, je vous confie mon premier véritable enfant. Mon fils restera à vos côtés jusqu'à votre mort. Je vous dis adieu. Regarde-moi ça. On le reconnaît à peine. Et dire que tu te transformes un peu de la même façon. Vous m'entendez? Montez, je vous prie. J'avais peur de ne pas vous trouver. De la main? Junior, en fait. C'est plus direct que ton vieux papa. Eh bien, cela me semble approprié. Alors ton vieux s'est tiré en te laissant dans ce bordel, c'est ça? C'est ce qu'il semble. Je sais juste...
juste que vous êtes mourante et qu'il vous faut un chauffeur. Je crains de ne pas pouvoir vous sauver, mais je suis à votre service pour vous déplacer. Voilà. Je veux sortir d'ici. Je vous suis. Insolent personnage.